À Béthanie, on est comme les autres. On est des pécheurs pardonnés. Dieu nous aime. Moi, j'en suis une preuve. Je ne le cherchais pas, et lui, il est venu me chercher. J'étais en train de me maquiller quand il m'est tombé dessus. J'ai entendu une voix intérieure qui m'a dit « Viens, aime ailleurs ». Ce n'était pas une vision. Mais intérieurement, j'ai senti que Dieu était un Dieu d'amour et qu'avec lui, je pouvais vivre un amour absolu que je cherchais partout sauf là où il était. Le lendemain matin, j'ai donné toutes mes affaires et je suis venue ici. Ce témoignage est celui de Sœur Paule Odile, membre des Dominicaines de Béthanie, une congrégation religieuse qui, depuis 1866, rassemble dans la vie contemplative des femmes venant de prison, marquées par un passé lourd, et d'autres femmes qui viennent d'une vie moins mouvementée. Toutes ces religieuses se consacrent à Dieu dans une communion fraternelle qui se construit dans la discrétion. Nous sommes ici, dans l'une de leurs communautés, à Montferrand-le-Château, dans l'est de la France. Pour nous, à Béthanie, c'est vraiment le message de la miséricorde et d'espérance qui vit dans notre cœur. Il faut être prête, chacune, n'importe d'où elle vient, d'être confondue. Une qui n'a jamais fait prison, elle peut être confondue à Béthanie, d'avoir été peut-être une fois en prison. Et je crois que ça fait partie de notre vocation, de notre charisme, de vivre un jour avec une qui est très, très difficile, que peut-être qu'on peut penser. Elle a eu une pensée difficile, mais nous nous accueillons tels que nous sommes aujourd'hui. Nous ne révélons pas, nous n'étalons pas notre passé moral à la communauté. Nous vivons dans la discrétion, c'est ce qui nous permet de revivre, d'être nous sans ce que nous avons fait par derrière. Ce n'est pas, disons, une négation, ce n'est pas négatif la discrétion à Béthanie. C'est savoir discerner ce que l'on dit, c'est l'amour respectueux de l'autre, tel qu'il est. Le passé n'existe plus. Il existe pour le reconstruire. Chacune a quand même son travail personnel à faire. On se fait aider pour ça. Mais pour moi, personnellement, c'est une libération énorme que j'ai ressentie tout de suite dès que je suis entrée à Béthanie. Cette libération, c'est fini, on n'a plus d'étiquette. On a toutes le même habit, ça aussi, que j'étais contente de ne pas me demander qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui. Plus rien, on est toutes pareilles. On est toutes les mêmes fraternellement. Et c'est libérant. Quand nous faisons profession, nous disons, nous nous engageons à la communion fraternelle de miséricorde. Et ce sont des expressions très fortes, la communion fraternelle miséricorde. Si je heurte avec mes sœurs, le moyen, c'est de me rattraper. Alors bon, ben ça, bien sûr, tout nous porte à Dieu si on le veut bien. Hein. Mais il y a des fois, c'est raté, quoi, hein, ma foi. Hein. Mais on a des merveilleux moments de rattrapage, vous voyez, parce que tous les soirs,
avant Vêpres, il y a une réunion qui fait que si on s'est heurté, on se demande ouvertement devant tout le monde pardon. Et ça, c'est des moments au fond formidables, parce qu'après, on sait qu'il n'y a plus rien. N'est-ce pas ? On sait qu'on est pardonné. Où on se retrouve le mieux, c'est à l'adoration. Parce que c'est là qu'on se ressource et que Dieu recrée notre unité. J'ai juste un ami. C'est un ami sur lequel on peut compter, qui ne vous trompe jamais, qui ne fait jamais de fausses manœuvres, et en qui on peut donner une confiance absolue et totale. Ce que j'ai fait, je lui donne ma confiance sans condition. Je sais qu'il raffole de ça, qu'on lui donne notre confiance sans condition, totalement. Mais quelle est l'origine de ce miracle des Dominicaines de Béthanie ? Si ces sœurs vivent aujourd'hui dans cette communion fraternelle de miséricorde, c'est parce que leur appel s'appuie sur une parole d'espérance, une histoire gravée à jamais dans le cœur de ces sœurs de Béthanie. Elle est celle d'un contrôleur des impôts devenu apôtre des prisons, qui a su reconnaître, grâce à la figure de Marie-Madeleine, que les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints. Cette histoire est celle du père Jean-Joseph Lataste, prédicateur dominicain français. Tout commence le 15 septembre 1864. Il a 32 ans lorsqu'il est envoyé par ses supérieurs pour prêcher une retraite de 4 jours aux 400 femmes détenues de la prison de Cadillac, un ancien château en Gironde, en France. Je ne saurais vous dire l'impression qui m'a saisi au cœur au moment où j'entrais pour la première fois dans ce centre de détention. Elles étaient là, couvertes de vêtements grossiers qui leur donnaient une physionomie vraiment repoussante. C'est que malgré moi, je subissais l'influence des préjugés populaires. Le peuple, en effet, n'a pour elles que de l'horreur. Le père Lataste, il a grandi à Cadillac, donc il a grandi devant les murs de cette prison, entendant tout ce que les gens de la ville pouvaient dire ou fantasmer sur ces femmes. Et jusque dans les années 50, 1950, à Cadillac, on parlait des femmes en disant « les filles perdues ». Condamnés aux travaux forcés, enfermées dans la nuit de la mémoire douloureuse de leurs crimes, ces femmes effectuent dans un silence de rigueur 12 à 13 heures de travail par jour. La prison au XIXe siècle est une institution qui est faite pour moraliser les détenus, avec deux moyens principaux, le travail et la religion. Et donc on considérait que les exercices religieux étaient là pour moraliser les détenus. On pourrait dire que c'est une instrumentalisation insupportable de la pratique religieuse, de la foi. Donc on est vraiment dans un système complètement tordu. Donc c'est dans ce climat-là que le père Lataste arrive. Pour ne nuire en rien au travail forcé auquel elles sont soumises, c'est à 4h30 du matin, dans la chapelle de la prison, que le père Lataste ose se faire la voix de ce Dieu qui se fait frère, ami de toutes ces femmes avilies, mises au ban de la société.
Mes chères sœurs, je ne sais pas si vous avez pris garde à ceci. En commençant, comment vous ai-je appelé ? Mes chères sœurs. Et d'où vient que vous m'êtes si cher, vous que le monde oublie et méprise ? C'est que nous sommes les ministres d'un Dieu qui vous aime, malgré vos souillures. Et maintenant encore, il se tient invisiblement à la porte de votre cœur et vous dit tout bas, « Pauvre enfant, donne-moi ton cœur. » Et à toutes ces femmes, dont les trois quarts d'entre elles sont des criminels, il continue de leur expliquer que toutes ces privations qu'elles subissent de force peuvent devenir un chemin d'une amitié avec Dieu. Il les compare à des moniales. Donc il les invite à la vie contemplative. À leur dire, vous savez, votre vie, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes entre quatre murs, vous êtes dans le silence, vous travaillez, vous priez. Dans les monastères, c'est pareil. Et donc, sauf que dans les monastères, les moniales ont choisi. Vous, vous êtes ici de force, mais vous pouvez librement donner ce sens-là à votre vie. Et donc, c'est tout à fait étonnant de voir que pour ces femmes qui étaient prises dans un système concentrationnaire, enfin, c'est épouvantable. Hein. La prison de Cadillac, à l'époque où le père Lataste prêche, vous avez 15% de mortalité par an. Et dans ce système concentrationnaire, le père Lataste leur dit vous avez toujours la liberté du sens, vous avez le choix du sens. Est-ce que vous êtes uniquement là à subir ou est-ce que vous choisissez de vivre cette vie terrible pour Dieu, en Dieu ? Dieu sait tout. Toutes vos âmes sont à nu devant son regard. Il y pénètre jusqu'aux fibres les plus cachées, jusqu'aux replis les plus intimes. Quelles ont donc été les causes de vos chutes? Je les réduis à trois principales. L'orgueil ou l'amour de l'indépendance, l'amour des plaisirs et l'amour de l'argent. Chez le père Lataste, il y a une articulation très forte entre la miséricorde et la vérité. Il va aller très loin dans la miséricorde, mais sans jamais transiger sur la vérité et sans jamais faire comme si le mal n'avait pas existé. Dans sa prédication, il n'y a jamais d'identification entre le péché et le crime. C'était pourtant facile. Dire votre principal péché, c'est votre crime. Ben non, pas forcément. Parce que Lataste a appris de saint Thomas que pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait un acte moral, c'est-à-dire un acte volontaire et libre. Et en écoutant ces femmes au confessionnel, il s'est bien rendu compte que d'innombrables histoires ne comportaient pas de liberté de la part de ces femmes, qu'elles avaient été prises dans des situations de détresse terribles, où elles avaient complètement perdu la maîtrise de leurs actes. Alors, si on s'arrêtait là, on pourrait dire « mais c'est scandaleux », alors il dit à ces criminels qu'elles ne sont pas responsables. Père Lataste n'est pas le président de la cour d'assises, il n'a pas à juger de la responsabilité du crime. Il ne remet jamais en question les jugements dont elles ont été l'objet. Mais en revanche, au point de vue de la conscience, et donc au point de vue du péché, il cherche quand elles ont fait des actes volontaires et libres. Et il va remonter dans sa prédication, il va remonter très en amont en disant « mais à la fin du processus, peut-être, vous étiez complètement prise dans des situations où vous aviez perdu toute liberté, mais vous avez fait à certains moments des choix et votre conscience vous a dit à ce moment-là que vous preniez un virage qui était mauvais. Et c'est là le péché. Pour tout être humain, quelle que soit sa situation, il y a toujours un lieu de liberté. » Et le lieu du péché, il est là. Enfin,
Est-ce qu'on choisit le bien quand on est libre de le choisir ou est-ce qu'on le refuse ? Donné, il va faire la comparaison avec Marie-Madeleine. Ce qu'elle a donné aux péchés, elle le met au service du Seigneur après. Il va leur dire, faites de même vous aussi, hein, tout ce que vous avez, votre jeunesse, votre intelligence, votre imagination, tout ce que vous avez pu mettre au service du péché, donnez-le maintenant au Seigneur. Hein. Il va les mettre devant un choix. Il va leur dire, choisissez. Et que se passe-t-il si vous faites ainsi? Vous que les hommes dédaignent et méprisent, vous serez les bien-aimés de Dieu, les âmes chéries du Sauveur. Ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est d'être aimé. Et le Père Lataste dit, pour se donner à nous, Dieu ne regarde pas ce que nous fûmes, il n'est touché que ce que nous sommes. Il prend son auditoire là où il est et il leur dit le passé, c'est le passé. Là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous accueillez le don de Dieu? Finalement, au fondement de ça, il y a la distinction entre le péché et le pécheur, quoi. C'est-à-dire que, quelle que soit la gravité de l'acte commis, le sujet, en théologie chrétienne, n'est jamais identifié totalement à son acte. Et donc, le regarder au présent, c'est se donner les moyens de rencontrer le sujet sans être parasité, si on peut dire, par l'acte qu'il a commis. Et au fil des jours, le Père Lataste, en écoutant chacune de ces femmes inlassablement, contemple l'œuvre libératrice du pardon de Dieu dans ses cœurs, qui pour la plupart ont été méchamment trompés, trahis et livrés à la justice des hommes. Et il leur disait, est-ce que vous avez pardonné? Est-ce que vous pouvez pardonner? Et elle répondait, mais il y a bien longtemps que j'ai pardonné et je prie tous les jours pour cette personne. Avec ce qu'elles ont souffert, elles avaient pardonné. Donc il n'y avait plus rien en elles du passé, plus rien d'abîmé. C'était vraiment une nouvelle création que le Père Lataste voyait là. Et il disait, mais voilà, elles sont plus près de Dieu parfois que certaines contemplatives que j'ai pu rencontrer lorsque je prêchais des retraites. C'est ça qui l'a bouleversé. Il disait, mais elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Il suffit qu'on leur ouvre les portes. C'est alors que, priant le soir au milieu d'elle, comme un frère, devant cette présence concrète qui n'est que miséricorde, subitement, il reçoit l'intuition d'un projet absolument nouveau. Insérer les détenus qui en auraient le désir et la vocation dans la vie religieuse contemplative dominicaine. À la fin de la retraite, devant les détenus et le personnel de la prison, ils partagent. On les croit coupables, il n'en est rien. Elles le furent, il est vrai, mais depuis longtemps elles ont cessé de l'être. Elles ont reconquis dans les larmes et dans l'amour de Dieu une seconde innocence. Oui, mes enfants, quel que soit votre passé, ne vous considérez plus comme des prisonnières, mais comme des âmes vouées à Dieu, vous aussi, à la suite des âmes religieuses.
c'était très, très révolutionnaire au 19e siècle. C'était impensable, déjà au point de vue social, personne ne pouvait accueillir, même comme simple employé de maison, une personne qui était sortie de prison. Et on ne pouvait pas entrer au couvent avec un passé chargé, c'était impossible. Les portes étaient toutes fermées. Quant à la vie contemplative, alors là, c'était le summum, c'était le plus haut degré à ce moment-là, c'était vraiment l'aristocratie de l'Église, la vie contemplative. Et voilà que le père Lataste a fait des détenus des contemplatives. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc il avait évidemment beaucoup de difficultés pour faire accepter tout cela, mais ça s'est fait, et c'est le miracle de Béthanie, c'est Dieu a agi, voilà. Et il a toujours dit, ce n'est pas mon œuvre, c'est le Seigneur qui veut ça. C'est ça, sa grande humilité. Il n'a jamais dit, c'est moi qui veux fonder, c'est l'œuvre de Dieu, je suis que l'outil, l'instrument du Seigneur pour cette œuvre. Un an après la première prédication à Cadillac, le père Lataste est invité à nouveau à prêcher une deuxième retraite à la demande des détenus. Et il constate que ce qu'il leur avait proposé, elles l'ont fait, c'est-à-dire qu'elles ont vécu cette année dans cette perspective d'une vie quasiment monastique à la prison. Et beaucoup des détenus lui manifestent leur désir, à leur sortie, de se donner à Dieu. Alors ça le confirme tout à fait dans son projet, et il va à partir de ce moment-là s'engager de manière plus forte dans la réalisation du projet. Dès lors, les choses vont très vite. En mars 1866, pour faire connaître le projet de cette nouvelle fondation qu'il appelle la Maison de Béthanie, le père Lataste publie les réhabilités. Il interpelle ainsi l'opinion publique et politique. Si ces femmes détenues sont pleinement réhabilitées aux yeux de Dieu, pourquoi notre société doit-elle continuer à les exclure quand elles sortent de prison? C'est un geste politique, la fondation de Béthanie. C'est tout à fait étonnant de voir qu'ils cherchent à le faire savoir, à faire savoir l'existence de cette maison, alors même qu'elle n'existe pas encore, parce que c'est ça le pourrait dire la dimension apostolique de Béthanie. Il suffit qu'on puisse dire que quelque part dans le monde, dans l'Église, dans l'ordre dominicain, des femmes qui ont connu la prison, qui ont connu la prostitution, sont religieuses contemplatives, ça suffit. À partir de mai 1866, malgré maintes difficultés, la fondation se précise par l'arrivée providentielle de Mère Henri-Dominique, une religieuse de la Présentation de Tours qui deviendra la première supérieure de Béthanie. En juillet 1866, une maison est trouvée, à Frasne-le-Château, près de Besançon. L'achat se conclut rapidement grâce à une riche bienfaitrice qui s'était imprudemment installée dans le même compartiment de train que le père Lataste. C'est ainsi que la maison de Béthanie est fondée le 14 août 1866. Progressivement, les premières sœurs et réhabilitées arrivent. Elles vont se succéder au fil des années et se propager dans différents pays jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire du père Lataste a mis en marche aujourd'hui, à la suite du Christ, des hommes détenus dans la prison de Norfolk
aux États-Unis. Depuis 1990, dans ces murs qui les retiennent pour certains à vie, ils s'engagent à partager une vie communautaire et de prière dans leur prison. Ils ont ainsi fondé une fraternité laïque dominicaine appelée Notre-Dame de Miséricorde. En ce dimanche 3 juin 2012 à Besançon, en France, plus de 5000 personnes sont rassemblées pour la béatification du père Jean-Joseph Lataste. À l'écoute de la prédication du maître de l'ordre des prêcheurs, le père Bruno Cadoret, nous pouvons prier ce mois-ci pour toutes les sœurs dominicaines de Béthanie et avec elles, pour tous les hommes et toutes les femmes qui, en prison, attendent la liberté du pardon de Dieu. À Cadillac, dans cette prison, les mots du jeune prêcheur s'adressent aux détenus en faisant écho au Dieu qui s'adresse à son peuple pour le tirer de l'aliénation et lui donner la liberté. Chères sœurs, chers frères, cette liberté du pardon, elle est pour nous, aujourd'hui. Tous, nous sommes appelés à relever la tête pour vivre en enfants de Dieu. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, verset 47. En parlant de la femme pécheresse qui vient de couvrir ses pieds de baisers et de les arroser de parfum, Jésus dit : ses péchés, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. »